La semaine prochaine, ça va être un moment très spécial. Je vais avoir l'honneur de représenter cette ville merveilleuse de Rio de Janeiro, mais aussi tout le peuple brésilien en récupérant le drapeau olympique. Rio de Janeiro va devenir une ville olympique. Ce sont des défis énormes. Nous savons que Rio de Janeiro est une ville qui ne dispose pas à l'origine de beaucoup d'infrastructures disponibles. Ça va représenter beaucoup d'investissements, mais qui vont servir ensuite à la ville et à tout le monde. Je peux affirmer ici qu'on ne va pas démolir le vélodrome, c'est clair et net. On va identifier les chemins pour que les dépenses soient bien utilisées. C'est cette logique que nous allons suivre concernant les Jeux de Rio. Nous n'allons pas procéder autrement, à commencer par le vélodrome.